La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. La sincérité dans l'adoration fait partie des obligations du cœur. Elle fait aussi partie du bon comportement. Faire preuve de sincérité dans l'adoration signifie accomplir l'acte d'obéissance à Allah Ta'ala pour Allah Ta'ala uniquement, c'est-à-dire ne pas rechercher par son acte les louanges, les regards respectueux, ni les égards de la part des gens. Allah Ta'ala a fait de la sincérité une condition pour que les bonnes œuvres soient récompensées. Le musulman sincère est celui qui effectue les actes d'obéissance comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, la récitation du Coran, notamment en recherchant la récompense de la part de Allah et non pas pour que les gens le louent pour cela et parlent de lui en bien. Ainsi, celui qui prie doit le faire en ayant une intention sincère pour Allah Ta'ala uniquement, et non pas pour que les gens disent de lui un tel est assidu dans la prière, il ne délaisse aucune obligation. Celui qui jeûne doit jeûner pour l'agrément de Allah Ta'ala uniquement, de même que pour celui qui verse la zakat, qui fait une aumône, qui récite le Coran ou quiconque veut faire une œuvre de bienfaisance. L'insincérité est le contraire de la sincérité. Elle signifie le fait de viser à travers ses actes de bien, par exemple le jeûne ou la prière, l'estime et le regard respectueux des gens. L'insincérité annule la récompense des œuvres qu'elle accompagne. Ainsi, aucune œuvre de bien dans laquelle l'insincérité intervient n'amène de récompense. Qu'on ait eu seulement l'intention de l'effectuer pour l'agrément des gens ou qu'on ait accompagné cette intention de l'intention de rechercher la récompense de Allah Ta'ala aussi. L'insincérité dans les actes de bien est un grand péché du cœur et un défaut détestable dont la personne responsable doit se garder. On doit faire preuve de sincérité dans son adoration de Allah Ta'ala afin d'en obtenir la récompense. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder toujours les bonnes intentions et la bonne compréhension de la religion. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.